Amen. La Bible nous dit que c'est lui qui a tout créé. Ce jour-là, il n'a pas hésité. Il a pris même sa croix. Il partait. Il partait et quand il arrivait à la croix, il a crié. Alléluia. Toi et moi, on a honte de pleurer dans sa présence. Toi et moi, quand on vient dans sa présence, on économise nos forces. On économise nos voix. Mais ce jour-là, lui, il a monté à la croix. Il a crié. Et quand il a crié, il était tellement fort que même la voile du temple s'est déchirée. Et tout ça, pourquoi? Pour toi et moi. Alléluia. Tout ça, il a fait pour toi et moi. Je vous dis une chose. Il y a des certains moments quand on plaire à Dieu, on dit « Dieu, je suis en découvert. » Des fois, quand on plaire à Dieu, « Dieu, je suis malade. » Dieu te regarde. La Bible nous dit, oui, la Bible nous assure. Dans ces maîtres-ci, nous sommes guéris. Alléluia. Mais ce n'est pas ça vraiment le but. Parce que la Bible nous dit quoi? Mieux d'entrer dans le paradis avec un seul œil qui a vu que tu deuxièmes dans l'enfer. Ça nous fait comprendre de quoi? Que Jésus, s'il est mort à la croix, ce n'est pas parce que pour freiner ou rouler avec une belle voiture, il faut avoir une belle maison. Archi faux. Jésus est mort à la croix pour nous racheter du péché. C'est pour cela Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, si vous suivez cette histoire, quand Jean-Baptiste il baptisait les gens, ils venaient. Mais quand les souverains sacrificateurs ils ont commencé à venir, quand les vites ils ont commencé à venir, il a changé le langage. Il a commencé à les appeler race de vipères. Mais quand il a vu Jésus, il ne s'est pas trompé. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que le problème des êtres humains, c'est le péché. Combien de fois l'incrédulité monte dans notre cœur, commence à demander, est-ce que Dieu ne me voit pas? Pourquoi cela? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi ceci? Aujourd'hui même à l'église, quand on commence à prêcher la repentance, quand on commence à prêcher les péchés, les gens, quand ils sortent, ils commencent à dire, est-ce que ce pasteur ou ce frère-là, ce maman-là, il sait pécher, et ce n'est pas que la Bible dit ne jugez point. Alors, quand Jean-Baptiste disait race de vipères, qu'est-ce qu'il disait? Parce que qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Même quand on fait des mauvaises choses, que quelqu'un vient nous caresser. Oh, tu peux continuer. Et je peux dire même une chose. Quelqu'un peut me demander, est-ce que je peux fumer? Oui, je te dirais oui, tu peux. Quelqu'un peut me dire, je peux avoir 3-4 femmes? Je lui dirais oui, continue, tu peux. Mais après, quand il va finir, je vais lui dire une chose. Il y a une chose que tu ne pourras pas, aller au paradis. Fais tout ce que tu veux. Fais comme tu veux. Mais si tu continues comme ça, paradis, il sera loin de toi. Alors, posez-nous les questions. Le plus important, c'est quoi? C'est gagner ce monde et perdre notre vie éternelle. Ou bien de perdre tout ce qu'il y a dans ce monde pour avoir la vie éternelle. Moi, j'ai choisi. Je veux le paradis. Moi, j'ai choisi. Je veux le paradis. Il y a des gens qui se moquent de nous. Ce n'est pas aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Paul, il a dit, c'est notre vie chrétienne. Il est branché pour les choses de ce monde. Notre vie chrétienne est nulle. Mais si notre vie chrétienne est branchée pour les choses à venir, nous sommes les plus heureux. Il y a quelqu'un qui peut acclamer pour la gloire de Jésus. Amen. On va prendre notre livre, le livre des rois. 1 roi 19, versets 5 à 10 à 9. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange.
Il regarda et il avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Bon, notre thème ce matin, c'est utile, ne crains pas, dit l'Éternel. Amen. Dis à ton frère, à ta sœur, ne crains pas. Oh, dis à ton frère, à ta sœur, dis, ne crains pas, dit l'Éternel. Amen. Il y a une chose qu'on constate suivant. Les gens qui ont fait vraiment des études à propos de la Bible, ils disent que dans la Bible, les mangeurs, ne crains pas, n'aie pas peur, Jésus, Dieu, il est avec toi. Il se répète plus de 366 fois dans la Bible. Les mots genre, ne crains pas, n'aie pas peur. Les mots comme ça, en fait, dans la Bible, il se répète plus de 366 fois. Je sais que les gens qui connaissent le calendrier, dans un an, on a 366 à 365 jours. Que ça signifie que chaque jour, quand tu te réveilles, il y a un mot de Dieu qui te dit, ne crains pas. Alléluia. Parce que quand on se réveille, on va affronter pas mal de choses. Et quand on affronte pas mal de choses, des fois c'est ça qui vient dans notre cœur. Le découragement. Des fois, tu ne sais pas est-ce que ça va aller. Donc c'est pour cela, notre thème, son titre aujourd'hui, ne crains pas, dit l'Éternel. Amen. Donc on va essayer de toucher pas mal de volets. Donc c'est une exhortation. Bon, même ça ne va pas nous prendre vraiment beaucoup de temps, mais j'aimerais bien qu'on touche à ces points. On lit bien la Bible, le sujet, il parle des prophètes Élie. Prophète Élie, on prend le livre des rois 18, ils ne disent pas d'où il est venu, ils ne s'intéressent même pas de dire qui il était son père, ils ne disent même pas qui était sa mère. Mais il dit peut-être d'où il venait. Mais on va voir quand il est venu à Israël, quand la Bible commence à parler de lui à Israël, il traversait des moments vraiment difficiles. Les moments difficiles qu'Israël traversait, c'est les moments que les gens ils sont donnés beaucoup plus dans les péchés. Donc, dans le cœur des gens, il y avait toujours la doute. C'est y servait Baal ou bien c'est y servait Dieu. Alors, ce jour-là, le prophète Élie, il est venu. Il a dit, mais jusqu'à quand que vous continuez à être divisés? Est-ce que, donc là, vous avez toujours des questions. Donc là, il était tellement fâché. Donc, la Bible nous dit qu'il a dit dans ma parole, j'aimerais bien souligner ça. Il a dit, dans ma parole, il pleuvra plus ici à Israël. On va comprendre ce sujet. Donc, il n'a pas dit que les si, dit l'Éternel. Les prophètes, quand ils venaient au peuple pour dire une chose, d'habitude, ils disaient les si, dit l'Éternel. Mais ce jour-là, il n'a pas dit les si, dit l'Éternel. Parce qu'il savait une chose. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu, il est derrière la parole de ses prophètes afin de l'accomplir. Alléluia. C'est pour cela qu'on va voir, je vais mettre entre parenthèses, Anna, il priait. Anne, il priait. Et quand il priait, il retournait. J'ai déjà dit ça. Les historiens disent qu'il a prié pendant 24 ans. On va imaginer. Il priait, partait. Vous inquiétez pas, les sœurs. Parce qu'à l'époque, les gens, ils donnaient au mariage très tôt, vraiment. Hein? Vous inquiétez pas. On vous a dit 25 ans, comment ça? Donc, il s'est marié très tôt à l'époque. Donc, il priait, partait. Mais les jours qu'il a prié, l'homme de Dieu, il a parlé sur sa vie. L'année prochaine, sa vie a changé. Alléluia. C'est pour cela, des fois, nous, les hommes, on aime bien de se cacher des pasteurs. On aime bien, même des fois, de se cacher des frères et sœurs. Attention. Pourquoi on dit ça? Kisongi. Alléluia. Pourquoi on dit kisongi? Mais il y a une chose qu'on oublie. Combien de gens qui avaient des problèmes, ils ont parti à l'église, leur vie s'est changée. Combien de gens qui avaient des problèmes, ils ont parti voir un serviteur de Dieu, à travers ce serviteur de Dieu, il a changé sa situation. Je pose toujours une question. Ma question, c'est ça. Nous tous, on sait qu'il y a des faux billets. Alléluia. Nous tous, on est au courant qu'il y a des faux billets.
Mais est-ce que ça nous fait arrêter de manger des rots? Non. On continue toujours à avoir des rots, de mettre la poche. Donc, on a beaucoup plus de confiance au billet, mais on n'a pas confiance au serviteur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Élie, il a parlé et Dieu l'a confirmé. Dieu l'a dit, bon, ça va mon fils. 3 ans, vous voulez obéir à la société. J'arrête tout pendant 3 ans. Or, ça ne plaît pas. Il n'y a pas quoi manger. Il n'y a pas quoi boire. Alléluia. Des fois, ici en France, on voit que des fois, il y a des saisons, des fois, il ne pleut pas. Bon, il y a des problèmes pour pleuvoir. Et tout le monde, il s'inquiète. Pourquoi? Parce que s'il ne pleut pas, Bolianini, c'est chaud. Parce que la semence pour pousser, il y a la pluie qui doit tomber. Alléluia. C'est pour ça que je vous assure une chose. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui a la promesse de Dieu? Il y a des gens qui ont la promesse. Non, est-ce que tu peux lever ta main? Ah, ils ont que 3 personnes qui ont la promesse de Dieu? Non, la salle, il y a dans la salle. Vous n'avez pas de promesse de Dieu. Alléluia. Donc, comme vous avez la promesse de Dieu, moi, je crois que la promesse de Dieu, c'est une sémence. Et chaque fois qu'on va méditer, et chaque fois qu'on va écouter la parole de Dieu, cette sémence va pousser. Cette sémence va pousser. Parce que des fois, on vient à l'église, tu as un sujet en toi. Le pasteur va prêcher, il ne touche même pas ce sujet, ne vous inquiétez pas. Ils ont maillé, ils ont quoi, il y a caca. Il y a eu une promesse, il y a quoi qui s'en va. Ce jour-là, quand il a dit, Dieu a dit, je confie ma parole, il ne va pas pleuvoir. Il est parti. Il est parti après tout ça, il est revenu. Quand il est revenu, il a prié à Dieu. Non, il faut qu'il pleuve. Après, ils ont dit, bon, on va faire un défi. Parce que il y avait soi-disant des gens qui disaient, eux aussi, ils avaient leur Dieu. Baal. Il a dit, bon, moi, je suis le prophète de Dieu. On va faire un défi avec les prophètes de Baal. Ils ont monté dans le mont Carmel. Et quand ils ont arrivé, il a dit, non, vous, vous êtes nombreux, moi, je suis seul. On va faire un défi. Le défi, ça sera vous qui vous l'avez commencé. Il a dit, on prend un animal, on le déchire en deux. Vous, vous priez à votre Dieu, comme ça, qui fait descendre le feu du ciel. Et le Dieu qui va nous répondre avec du feu, ça sera lui le vrai Dieu. Alléluia. Oh, quel risque. Alléluia. Avoir la confiance à Dieu. Oh, ma prière ce soir, que Dieu suscite des hommes et des femmes avec l'audace que Élie avait, de ne pas avoir peur, même quand il y a des situations, d'affronter ces gens-là qui disent qu'ils ont un Dieu, parce que nous, on a un vrai Dieu. Oh, ma prière ce soir, que Dieu suscite les gens qui ont l'onction qu'il y avait à Jean-Baptiste, qui n'a pas peur de dire ça c'est péché, ça c'est mauvais. Élie, il est venu, il n'avait pas peur parce qu'il avait confiance à son Dieu, parce qu'il connaissait qui est son Dieu. J'aime bien dire ça, quand tu connais que ton grand frère a bêta rabattu, non, tu n'as même pas peur de marcher ou tomber la bâtonne. Tu n'as pas peur. En nous, on a un Dieu qui est plus puissant. La Bible nous dit qu'il est omniscient, omnipotent et omniprésent. C'est pour cela que notre thème s'intitule « Ne crains pas, dit l'Éternel ». Oh, la peur, ça peut détruire ton corps. Je vais essayer de sortir un peu. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé, on va dire ça, un documentaire. Il y a un sage, bon, on va dire scientifique, je crois, entre chinois ou coréen, des choses comme ça, ou japonais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une expérience. Il a pris 3 verres d'eau. Je dis, c'est 3 verres d'eau. Il a séparé. Dans l'autre verre, chaque matin quand il s'est réveillé, il disait des mauvaises choses. Dans l'autre verre, il disait rien. Dans un autre verre, il l'encourageait. Après un bout de temps, il est parti voir. Je parle d'une expérience scientifique. Et quand il est parti voir, le verre où il disait des mauvaises choses, il y avait des trucs un peu bizarres dedans. Et dans le verre où il disait rien, il y avait un peu de trucs bizarres, un petit peu. Et dans les verres où il disait des bonnes choses, il était clean, il était propre. Alléluia. Est-ce que vous savez que le corps humain, presque, si je ne me trompe pas, 60%, c'est de l'eau. Vous savez ça? Vous savez ça? Ça signifie quoi en fait? Quand tu écoutes des bonnes paroles, des paroles d'encouragement, ça va t'encourager. C'est pour cela, attention, surtout aux parents. Quelqu'un m'a dit, pourquoi tu appelles toujours Ricardo de champion? Je dis, je ne suis pas fou. Oh. On m'a dit, oui, mais j'appelle le champion, qu'est-ce qu'il a gagné? Je dis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a gagné.
mais je sais qu'un jour il va gagner. Je préfère prophétiser que de dire de mauvaises choses. Yozazoba. Oh, alléluia. Attends. Tu es en train de maudire ton fils. Parce qu'il va mettre une chose dans sa tête. Maman me dit toujours que moi, je suis rien. Mon père me dit toujours que je suis rien. Quand j'étais petit, excusez-moi, ma mère me disait toujours une chose. Kikavuanga. Pour les gens qui ne connaissent pas Kikongo, qu'est-ce que tu as, toi? Tu n'as rien, toi. Quand il préparait à manger, je ne voulais pas manger, mais il disait toujours, Kikavuanga, tu n'as rien, toi. Mais les jours que je suis grandi, je l'ai affronté, je suis parti devant lui, maman, j'ai Jésus. J'ai dit, maman, maintenant j'ai Jésus. C'est parce que j'ai quelque chose à moi. Avant, j'avais rien. Ce n'est pas le boulot. Maintenant, j'ai Jésus. Dis toujours des bonnes choses à vos enfants. Cette expérience, ça m'a ouvert quand même les yeux par rapport à comment on doit voir nos enfants. Quand tu vois ton enfant, ne cherche pas à regarder toujours des points négatifs. Essaie de voir un point positif. Alléluia. On peut acclamer pour Jésus. Acclamons. C'est pour Jésus. Amen. Il est venu. Il a fait le défi. Les prophètes de Baal, ils ont commencé à prier. Ils priaient. Pour comprendre, ce n'est pas tout le monde qui prie. C'est de Jésus. Les prophètes de Baal, ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à faire des gestes. Il y a des gens même qui ont pris des coups, ils ont commencé à se couper. Le prophète Élie, il a dit non, je vais vous aider. Il a dit écoute. Peut-être vous ne priez pas assez fort. Essayez de crier. Peut-être votre Dieu, il dort. Alléluia. Il commençait même à se manquer d'eux. Il a dit non, criez. Peut-être il dort. Il va se réveiller. Ils ont commencé à prier. Il est venu encore. Le prophète Élie a dit ma tombolière. Il est venu. Écoutez. Peut-être il est parti en voyage. Continuez de crier. Ils ont crié. Mais il y avait rien. Élie, il a dit ben voilà. Elle dit, bon, comme vous avez déjà essayé, ça ne marche pas, maintenant moi je viens, je vais essayer. Elle dit, bon, d'accord, maintenant c'est à moi. Il a pris l'offrande, mais la première chose que le prophète l'a fait avant de prendre l'offrande, il a pris 12 pierres. Alléluia. Il a pris 12 pierres, il les a classées. Il a dit, et quand il classe, il a dit, je mets ça selon l'ordre. Il a mis ça selon l'ordre. Or, la nation juive, il commence avec 12 enfants de Jacob. Alléluia. L'église, il commence avec 12 apôtres. Alléluia. C'est qu'il a mis la fondation. Il y a des gens qui disent non. Il y a des certains principes, il faut l'obéir. Il y a des certains principes, il faut les obéir. Les principes, si tu l'obéis, ça peut t'amener. Si tu n'obéis pas les principes, il peut t'amener à l'échec. Il a mis les 12 pierres. Il a mis la table, il a placé l'offrande et l'a divisé. Il a dit non, il faut les mouiller pendant 3 fois. Yo lingi penangombe pelo tsango somai. Ah, alléluia. Toi tu veux mettre du feu, mais tu mets d'abord l'eau. Ah! Makam suka afonzambe. Alléluia. Il y a des sentences à qui Dieu. Donc moi je crois, il a dit hein, premier jour, deuxième jour et quand il a mis troisième jour, il a dit c'est la résurrection. Donc il a mis 3 fois. Il a dit parce que je crois à la résurrection. Et quand il a fait ça, écoute sa prière. Il a dit Dieu, j'ai fait les choses comme toi tu m'as ordonné. Dieu l'a dit à Saoul à travers le prophète Samuel. Il a dit quand tu vas te battre avec tes ennemis, tu es tout bétail, les enfants. Dieu, c'est Dieu qui a demandé ça. C'est Dieu qui a demandé ça. Quand tu vas arriver chez tes ennemis, tu es tout. Bon, Saoul, quand il est arrivé, ce jour-là, il voulait montrer que lui, il a un bon cœur plus que notre Dieu. Quand il voyait un animal avec les graisses, il a dit, non, on va les garder pour l'offrande. Ce n'est pas ça qu'il a demandé. Attention, il y a des certaines choses que Dieu a dit, fais ça. Mais quand tu vas dans un endroit, il fait plus ça. Dieu a dit à Moïse, fais un serpent d'airain dans le désert. Parce que les enfants d'Israël, ils étaient mordus parce qu'ils ont commis péché. Dieu, il a fait sortir les serpents pour faire mal aux Juifs. Qu'est-ce que Moïse l'a fait? Il a gardé cette statue et quand ils ont entré au Canaan, ils voulaient l'utiliser. C'est une erreur. Alléluia. Aujourd'hui, quand on fait le péché, on demande quoi?
Pardon. Jour en jugement, Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon, ça va pas aller. Ça va, oh, Dieu, oh. Toi, tu étais en vie, tu as tout fait. Tu ne demandais pas pardon. Maintenant, tu demandes pardon. Ça va pas aller. Donc, c'est que, c'est ça que je disais, il y a des certains principes, il faut le obéir. Et quand il a fait ça, il dit, Dieu, j'ai fait ça selon ton ordre. Manifeste-toi que Israël sache que c'est toi le véritable Dieu. Fais ça afin que ce peuple, il reste pris à des doutes dans leur tête, ce qui est le vrai. Et quand il a fait ça, la Bible nous dit qu'il y a le feu qui est descendu du ciel. Oh, je vois un feu. On a mon amoto. Non, je vois le feu dans la maison de quelqu'un. Non, je vois le feu dans la vie de quelqu'un. Non, je vois le feu dans le mariage de quelqu'un. Non, je vois le feu dans le travail de quelqu'un. Non, les gens, ils doivent confirmer que non, toi, tu as un Dieu. Non, les gens doivent confirmer, non, lui, vraiment, il y a un Dieu. N'aie pas peur. Mais le plus choquant pour moi, ce n'était pas ça. Ce n'était pas tout ça. On va imaginer un homme qui a parlé au ciel, le ciel, il a obéi, il ne pleuvait plus. Il a parlé au ciel, le ciel, il a dit, bon, maintenant, Dieu l'a dit, maintenant, il va pleuvoir. Il a prié à Dieu, le feu descendit du ciel. Et vous savez qu'est-ce qui se passait? Il y a une femme qui s'appelait Jézabel. C'est elle qui priait. C'est elle qui priait. C'est Dieu de Baal est là. Banzambi, nzambi. Il a dit, écoutez-moi. Il a envoyé un message à Élie. Il a dit, dites à Élie, comme lui, il a tué mes prophètes à l'épée. Oh, je les jure. Moi aussi, je vais les tuer. Comme il a fait à les prophètes. Moi aussi, je vais les faire. Qu'est-ce qu'Élie a eu? Il a eu peur. Alléluia. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il a parlé au ciel. L'homme qui parlait avec Dieu. Le ciel, boum, il s'est arrêté. Il a parlé avec Dieu, boum, le feu il est descendu. Il a parlé avec Dieu, boum, il a commencé à pleuvoir. Mais une femme qui s'appelle Isabelle, femme, moi aussi mon gros. Il a dit, comme tu as fait à mes prophètes, moi aussi je vais te faire. Prophète, il est père. Prophète, il est parti. Prophète même a commencé à courir. Il a pris son jeune, il a dit, on y va, on y va. Ça ne marche plus. Il arrive dans un endroit, il a dit, toi reste là. Parce que toi, c'est pas toi qu'on cherche, c'est moi. Et quand il est parti, écoutez qu'est-ce qu'il disait à Dieu. Dieu, prends ma vie. Parce que je ne suis pas comme mes ancêtres. Donc, c'est que dans la vie chrétienne, il y a des hauts et il y a des bas. Et quand nous sommes en bas, la parole de Dieu vient pour te dire, ne crains pas, je suis avec toi. N'aie pas peur, fils de Jacob. Parce que c'est lui-même Dieu qui t'a pris, je ne sais pas où il nous a pris. Il nous a mené jusque-là. Et s'il nous a mené jusque-là, il n'est pas comme nos maçons en Afrique. Qui quand il commence à faire une œuvre, il commence à bâtir une maison. Quand il arrive à un endroit, il laisse. Après 10 mois, bien 20 mois, il ne vient plus. Lui, quand il commence, il va jusqu'au bout. Oh, j'aime bien cette chanson. Même si ma chair m'est lâchée, mon espoir sonnerait. Alléluia. J'attends toujours Oméga. Et même quand je n'ai pas commencé, j'attends toujours Alpha. Parce qu'il va commencer quelque chose. Et quand il va commencer, il est Alpha et Oméga. Il commence, il finit les choses. Or, il y a des gens de foi. Quand nous sommes là à l'église, il a la force de prier. Quand il commence à prier, il y a des faits qui sortent de sa bouche. Quand il commence à prier, il commence à pleuvoir quelque part. Mais quand il arrive chez lui, son mari, ou bien sa femme, ou bien son fils, ou bien sa sœur, il dit des mots, genre les mots que Jézabel lui dit, il commence à s'effrayer, il commence à dire, ah oui, je suis vraiment nul. Non, n'accepte jamais ça. Ne crois pas à ça, à ce que les gens disent de vous. Ne croyez pas, ne donne pas tes oreilles à tout ce que les gens disent de toi. Parce que le monde te voit dans une autre façon, mais Dieu aussi te voit dans une autre façon. Et le vrai, c'est ça que Dieu voit en toi. Les commerçants, ils n'entrent jamais dans une commerce pour échouer demain. Dieu, il est entré dans sa vie, dans ta vie, dans notre vie, parce qu'il n'entre pas pour échouer demain. Qui croyait en Paul? Qui croyait en Matthieu? Qui croyait à Jean?
Les sacrificateurs, quand ils voyaient moi, je crois qu'ils disaient, des pécheurs, espèce de pécheurs. Mais Dieu, quand il est venu, il a dit, non, c'est pas que des pécheurs, mais je vois l'Odyssée vaincue, je vois Éphèse vaincue, je vois Saint-Brieuc vaincue. Je ne sais pas s'il y a des statistes, je ne sais pas s'il y a un géant ici, mais je vais vous assurer, ne crains pas. Quand il a dit ça, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé un ange. Et quand ange il est venu, il a réveillé Élie. Élie, réveille-toi. Élie se réveille, il mange. C'est rare quelqu'un manger et dormir en même temps. Alléluia. Dieu a dit, ah, il n'a pas bien mangé. Dieu a dit, Élie s'est dit, ça, c'est parce qu'il a faim. Or, le faim qu'Élie avait, ce n'était pas charnel, vraiment. C'était spirituel. Jésus, comme Pasteur nous a prêché dimanche, quand le diable est venu pour les tenter, qu'est-ce qu'il a répondu? Ce n'est pas seulement du pain que l'homme vivra, mais de toutes les paroles qui viennent de l'Éternel. Psaume nous dit, c'est lui qui médite la parole de Dieu. Jour et nuit, il sera comme un arbre au torrent d'eau. Oh, écoute, qu'est-ce qu'il nous a dit? Parce que plusieurs fois, on ne comprend pas ça. Il a dit, il donna la fruit à sa saison. Puisque nous avons le ciel, nous avons la saison. On veut tout en même temps. Comme un homme de Dieu, il m'a dit, on est en train de... Est-ce que vous remarquez des choses qui changent aujourd'hui? Pas trop, il a dit, je vais t'expliquer. Il était vraiment âgé, il m'a dit, à notre époque, écoutez la musique. N'apaisio mote mananga. Je me donne tout. Aujourd'hui, on change. On vient vers Dieu. Dieu, donne-moi. 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 Notre culte a changé. Même les musiques, l'adoration, ça change. Donne-moi. 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 Ça a changé. Un jour, Jésus est parti de la maison d'un publicain. Et quand il arrivait, cet homme, il était là, il a servi Jésus. Le culte, il était froid. Vous imaginez comme une quitte de Russie, froide vraiment. Ils ont un chauffage. Il n'y a pas de chauffage. Mais quand il y a une femme qui est entrée dans cette quitte, et cette femme, quand quelqu'un voyait dans la rue, il disait, ah, c'est une pécheresse. Et mais le jour que cette femme a entré dans cette quitte, où il y avait les hommes qui étaient saints, et lui, quand il est entré, il est parti direct dans les pieds de Jésus. Jésus, quand il est entré dans la maison de cette personne, il n'a même pas su que, comme nous les Juifs, quand on reçoit quelqu'un chez nous, on doit lui laver les pieds. Il a oublié tous ces détails. Mais cette femme, quand il est venu, il est parti dans les pieds de Jésus. Il a pris le parfum. Ce n'est pas Gucci. Gucci, je ne crois pas que ça coûte le salaire de 10 mois, dit quelqu'un. Non, je ne crois pas. À cette époque-là, le parfum de cette femme, près, il coûtait 10 mois de salaire de quelqu'un. Mais cette femme, il a cassé ce parfum dans les pieds de Jésus. Et quand il a cassé ça, tout le monde y regardait. Il a pris ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. S'il y a une chose que j'ai remarqué que nos sœurs aiment beaucoup, c'est les cheveux. Mais ce jour-là, cette femme, il a pris ses cheveux, il a commencé à essuyer. Oh, il y avait un comptabiliste dans la salle, un frère qui prie beaucoup. Mais il écoutait ma camba calque, il a dansé. Il a dit, le parfum là, ça coûte cher. Mais pourquoi on ne prend pas ce parfum, on vend ça pour de l'orphelin, Mouyibi. Zamouyibi, Jésus a dit, oh, Fakwa, c'est pas ça ton intention. Alléluia. Ah! Il avait de mauvaises intentions. Vous savez, c'était frère qui? Frère Jida. Vous savez déjà, frère Ingarambong. C'était frère Jida. Jésus l'a dit, écoute, les orphelins, vous aurez tous les jours. Mais moi, non. Et Jésus l'a dit, partout où on va prêcher l'évangile, on va prêcher cet acte. Aujourd'hui, on les prêche. Aujourd'hui, on les prêche encore. Et tout ce que tu fais pour Jésus, ne crains pas. Même si notre pasteur ne voit pas, Jésus il voit. Même nos frères et sœurs ne voient pas, Dieu il voit. J'aimais bien cette chanson de sœur Marie Missam. Si je me trompe, mais le mot c'était presque.
Non, non, à propos de... Que Dieu te bénisse, maman. Mais c'était à propos de que Dieu il nous répond, les prières qu'on fait en cachette. Mais quand Dieu nous répond, il nous répond en public. Alléluia. Que Dieu te bénisse, maman. Donc, quand on fait la prière, on est en cachette. Mais quand il nous répond en public. Un jour, pasteur m'a dit une chose. Il a dit, des fois, Dieu, il veut que les gens sachent tes problèmes. Mais il ne veut pas des personnes qui sachent ton problème. Il veut que le monde sache ton problème. Il m'a dit, tu sais pourquoi? Quand il va te payer, tout le monde va voir, Dieu l'a payé. Ne crains pas si tout le monde sait ton histoire. Ne crains pas si tout le monde sait tes échecs. Comme ils ont su de tes échecs, ils vont écouter aussi ta élévation. Comme ils savent que non, toi tu as échoué à gauche, à droite, ne crains pas, quand Dieu va t'élever, ils vont écouter celui-là qui était abattu. Aujourd'hui, Dieu il a soulevé. Ne crains pas. N'aie pas peur. N'aie pas peur. La parole de Dieu pour nous n'est pas peur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Combien de fois tu as échoué. Bats-toi encore. Pierre, il a péché presque toute la nuit. Espère en pêche. S'il était aujourd'hui ce qu'elle a, ministre de quoi déjà? Ministre de la pêche. On voulait le nommer. Il connaissait la mer. Jésus l'a dit, vous avez quelque chose? Il a dit, non. Pourquoi? Il a dit, toute la nuit on a essayé. On n'a rien. Jésus l'a dit, j'étais à droite. Alléluia. Ne murmure pas. Jésus, on a essayé même à gauche. On a essayé même à droite. Devant, derrière. Il a dit, d'accord. Ta parole, je vais jeter. Et quand il a jeté dans la parole de Dieu, il y avait des poissons. Poisson, c'est normalement la nuit. Le filet, c'est pour ça qu'on voit les pêcheurs vont que la nuit. Parce que la nuit, c'est là où il vient. C'est comme un enfant. C'est pour ça que quand tu as un enfant, tu vas remarquer. Quand toi, tu dors, lui, il se réveille. Parce que là, le ventre, il était comme ça. Donc, il sait que les poissons, la nuit, ils sortent. Quand ils ont des bruits, ils se retirent. Mais ces jours-là, même les poissons, ils ont obéi la voix de l'Éternel. Car ma Bible me dit, « Nalikolo au ciel, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchira. » Un jour, ils ont fait une erreur. Je vais finir. Un jour, ils ont fait une erreur. Ils ont pris Arche d'Alliance. Oh, les Juifs, Israël a commencé à pleurer. Parce que l'arche d'alliance, c'était la référence que Dieu, il était encore avec son peuple. Mais ils ont pris l'arche d'alliance. Et les gens qui ont pris l'arche d'alliance, ils ont l'amené vers Dagon. Dagon, c'était Binzambi, Binzambi. Dagon, c'était un dieu. C'était un statue. Et quand ils ont pris ça, ils ont pris l'arche d'alliance, ils ont l'amené dans les sanctuaires de Dagon. Alléluia. Oh, quand ils ont amené ça dans les sanctuaires de Dagon, demain, ils ont venu, ils ont trouvé Dagon par terre. Eux, alléluia. Qu'est-ce qui se passait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est entré ici? Ils n'ont rien compris. Ils ont dit, bon, prenez le dagon, mets-le droit. Ils ont mis le dagon, ils ont le mis droit. Demain, il vient, ils ont venu encore. Ils ont trouvé dagon en pièces. Alléluia. Le bokomokokuna, l'autre bras là-bas, l'autre pied là-bas, la tête là-bas. Ils n'ont rien compris. C'est pour cela. Moi, je crois que c'était pour confirmer. Dans les ciels, sur la terre, et sous la terre, même les statues obéissent. Ils ont reconnu, non, je suis statue, mais ça, c'est le Créateur. N'aie pas peur. N'aie pas peur de la calomnie. N'aie pas peur de tout ce qu'ils ont dit de nous. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on avance. Comme notre frère l'a chanté. Batelinga maboko nasima, bazali ko swamino. Mais ils ont oublié qu'on a un Dieu. Avec la force que tu as. Vas-y. Comme l'autre jour, on a parlé. Dieu, pour faire la multiplication, pour faire manger 5000 personnes, il n'a pas dit de retourner à la maison pour aller chercher encore à manger. Il a dit, on a 5 pains ici, des poissons, tout le monde va manger. Il a dit à Moïse, ne va pas loin.
prends ton bâton, jette-la. Le bâton qu'il avait, il l'a jeté. Quand il l'a jeté, il a vu comment s'est transformé. Quand il est parti voir Pharaon, il l'a jeté. Il s'est transformé en serpent. Pharaon, il a dit, allez, les mages, jetez, ils ont jeté. Mais la seule différence, le serpent de Moïse, il envalait tous les serpents de Pharaon. C'est ça la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux-là qui ne servent pas Dieu. Parce que nous, quand on sert Dieu, on fait des choses selon la directive. J'aime bien quand Pasteur précise ça. J'ai fait ça selon la directive de Dieu. Alléluia. Son aïe, on a dit, attention, là, ce n'est pas un homme qui parle. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la gloire de Jésus? Acclame-moi. Isaïe 40. Si vous avez du temps à la maison, lisez des 28 à 31. Mais là, on va lire que 21. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des ailes. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. J'ai connu un homme il n'y a pas longtemps. Il était considéré l'homme le plus rapide du monde. L'homme le plus vite. Ils ont dit qu'il est même plus vite que guépard. Il est fatigué. Alléluia. Et Saint Bolton, il est fatigué. J'ai déjà entendu que non. Parmi la nature, il y a l'animal qui vole plus. C'est l'aigle. Makoufaka, il meurt. Alléluia. J'ai déjà vu le jeune qui disait non. Même moi, j'ai dit ça. Nous sommes costauds. Mais on se fatigue. Mais celui-là qui confie à l'Éternel, il ne se fatigue jamais. Même quand tu es faible, oh, j'aimerais dire ça. Nous sommes les faibles. Mais on est là pour dire, Dieu, tu es notre force. Nous sommes des aveugles, mais on est venu pour dire, Dieu, tu es notre vision. Oh, nous sommes les gens qu'on a faim. On est là pour dire, Dieu, tu es le pain de la vie. Oh, nous sommes les gens qui ne connaissent pas le chemin, mais nous sommes là pour dire, Jésus, tu es notre chemin. Acclamons pour la gloire de Jésus.